Salut les amis, bonne année, une bonne année meilleure que la précédente, hein. Plus de voyages, plus de paysages, plus de culture, de concerts, de musique, de gourmandises, de restaurants et surtout plus d'oxygène, oxygène extérieur. Bon bah là je suis en intérieur, ok. On commence l'année par un tuto. Je voudrais partager avec vous un tuto en français puisque j'en ai pas trouvé filmé sur le net. On va changer la chaîne de distribution. Je me suis appuyé sur des connaissances et je remercie pour ça Gaël de chez Pokabike, Pokaman connu sur le net et notamment sur le forum Flatistan pour les vieux BMistes ou les BMistes en herbe. On va commencer par enlever la selle, le réservoir, le sabot, les échappements, le couvercle de démarreur, déconnecter la batterie pour une raison simple, c'est que lorsque l'on démonte le capot d'alternateur, si la batterie est connectée, on peut faire un petit court jus sur le pont de diode et flinguer le pont de diode. Les pièces qu'on va tenter, qu'on va même réussir à changer aujourd'hui, bah, la fameuse chaîne de distribution hein, qui se trouve ici. Voilà, une chaîne avec... qu'on va manipuler avec soin quand même, avec son attache rapide ici, qu'on verra ensemble tout à l'heure, le roulement qui va sur le vilebrequin, avec le pignon qui va sur le vilebrequin, ici le patin guide qui se trouve à gauche, on va le voir tout à l'heure, et puis là le tendeur avec son petit circlip, son ressort, son poussoir, et puis les joints, très important, ces deux petits joints que vous voyez là, eh ben, qui étanchéifie rien, mais qui permettent au carter de distribution d'être sous la bonne contrainte quand on le serre et qu'il ne se tord pas, puisqu'on a tout le joint autour qui va venir s'appuyer dessus. Je vous conseille vivement de prendre quelques photos, mettre un petit coup de chiffon, repérer les couleurs de câbles, mais des photos c'est quand même idéal. Là, vous voyez j'ai mis un serre filtre à huile là pour pas qu'il bouge quand je vais l'attaquer, donc je vais le tenir. Et en même temps, j'ai dévissé la vis principale. Voilà, là j'utilise cette vis d'extraction qui va pousser sur le vilebrequin, qui va extraire le rotor. Juste pour vous dire que préalablement, je me suis fait un plan, le schéma des vis que je vais dévisser et je vais les remettre en place là sur ce carton. Important de repérer sur l'attache rapide que vous voyez là je vais essayer de faire un petit zoom dessus. Vous voyez l'ouverture elle est dans ce sens là, la fermeture dans ce sens là, c'est à dire que la chaîne tourne dans ce sens comme ça très logiquement, ce qui fait que l'attache rapide l'ouverture doit être à l'opposé du sens de rotation. Je mets des chiffons à l'intérieur de manière à ce qu'il n'y ait aucun élément qui vienne tomber dans le carter moteur. Voilà, donc j'ai mis un riselant sur le petit piston là, qui pousse le tendeur, mais je ne l'ai pas changé encore. Il faudra que j'enlève ma chaîne pour le changer.
Alors sachant que j'ai une rondelle derrière, une rondelle là, c'est très important. Je vais emmener l'attache rapide ici, là, pour pouvoir l'enlever. Je bloque comme ça, je me sers d'appui, là, et je soulève. Hop. Voilà. Ça va prendre à l'intérieur pour ne pas prendre de risque. Bon bah après 2h30 de bidouille pour adapter une espèce de l'espèce d'arrache à deux balles, je suis arrivé à faire quelque chose, mais franchement si vous avez un arrache Facom ou qu'on puisse vous le prêter, n'hésitez pas parce que j'y ai passé des plombes et franchement c'était pas agréable. Bon, le pignon neuf est parti au four là avec les gâteaux de madame pour une quinzaine de minutes. Je vais le faire chauffer à 150-160 degrés pour pouvoir l'insérer là. Et puis j'ai ce double pas qui va me permettre de mettre des cales et de serrer à la fois le pignon puis ensuite le roulement. Voilà. Ah bah, hey. Hein, les gars, passez-la au four, hein. Parce que pour l'enlever, ça a été un cauchemar, mais alors pour la mettre, ça a été un bonheur. Le nouveau roulement qu'on va venir mettre là, ici, on appuie sur le pignon. Le truc, c'est qu'il faut absolument le chauffer. Donc, je vais le chauffer au pistolet à air chaud. Et que voici. Je vais le chauffer pendant 2-3 minutes. Et puis après, j'utiliserai un petit outil en vissant ici pour le repousser dans son axe. Je voulais filmer l'intégration du roulement là, avec ce truc là que j'avais prévu pour le serrer avec un écrou là, une rondelle. Je l'ai tellement bien chauffé qu'il est rentré tout seul. On a aligné la distrib, on a remis la chaîne, on va prendre l'ancienne fixation là, on va la mettre comme ça, ici en provisoire, pour emmener maintenant que c'est calé, pour emmener la chaîne derrière là, que je puisse mettre la petite goupille, je sais plus comment ça s'appelle, l'attache rapide par derrière. Je vais venir avec l'autre, la neuve, pousser et venir l'installer. C'est pas simple, hein. Faut mettre les deux doigts et voilà. Et puis vous vous souvenez qu'on a donné, on a dit qu'il y avait un sens, donc on va le respecter. Il faut remettre le chiffon parce que si ça tombe dans le moteur, là je pleure. Là je pleure beaucoup. Voilà, j'ai remis volontairement l'attache un peu plus bas ici. De manière à ce que si mon clip tombe, il ne tombe pas dans le moteur. C'est l'idée. Du coup. Voilà. Là, ça a l'air d'être mis. Bon, tout ça, c'est. Quand tu n'as jamais fait, évidemment, tu te prends un peu la tête. Bon, j'ai bien vérifié, je suis bien sur mon repère OTH. Là, je mets le nouveau tendeur. Là, je vais le passer comme ça ici. Voilà. Évidemment, la petite chachette qu'il ne faut pas faire tomber là-dedans. Donc, voilà. Voilà. Il libère. Et là, il fait son job. Bon, je mets la fameuse rondelle, les rondelles. Indispensable. La patte est en place. Le patin là, on vient pas le coller comme un malade dessus en poussant la chaîne. On met juste la chaîne en position et ça vient juste affleurer. Ouais, l'idée ensuite c'est de faire deux tours complets. Là on va voir s'il y a un truc qui touche.
finalement j'ai enlevé l'allumeur parce que je voulais le nettoyer et puis je savais pas trop si j'étais bien en face. Donc tant pis, on fera le réglage de l'avance. Comme je l'ai dit, j'ai démonté l'allumeur pour le nettoyer. Puis en fait je me suis aperçu, vous vous rappelez, dans le kit là il y avait ce joint. En fait c'est le joint qui vient, c'est ce joint torique là qui vient autour de l'allumeur et qui vient effectivement se positionner là pour étanchéifier la partie distribution. Là j'ai remonté l'allumeur. Là j'ai remonté l'alternateur et je vais le serrer à... Alors ils disent 25 Nm, je suis à 2,5 en... Voilà, jusqu'à 2,5. Voilà, on est bon là. Voilà, donc on a remis cellule redresseuse, on a tout recablé. Je me suis bien appuyé sur les photos que j'avais prises avant parce que j'avais un doute par exemple sur un câble qui allait sur le démarreur. Mais je crois que c'est bon. On va remettre le contact, j'ai remis toute l'électricité. Si ça me pète à la gueule, vous l'aurez en live. En live. Je vais couper hein, si je prends feu. Voilà, bon, on va faire tourner comme ça à vide. J'ai remis la batterie. On va voir s'il y a un truc qui merde. On va vite être déjà. Ça a l'air de tourner correctement. Bougie remit. J'ai réglé l'allumage à peu près sur ce qu'il était avant, mais un peu au pif. Hein. Donc il y a forcément un réglage d'allumage à envisager. Voilà. Ça n'a pas été si simple, hein, faut bien compter une vraie bonne journée avec les outils pour des amateurs comme moi. Évidemment, il y a des professionnels qui font ça en 2-3 heures, mais c'est plus cher et puis on apprend moins. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous servir. En tout cas, moi, ça m'a été très utile. Je renouvelle mes remerciements à Gaël Pokaman de chez Pokabike qui est du côté de Nantes. Et puis à tous les tutos qui sont sur le net grâce à vous. J'ai pu le faire, puis j'ai pu le filmer, comme ça on voit un petit peu les manips. Bon, évidemment, il y a sûrement mieux à faire. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me le faire remarquer, oublier un truc, il manque quelque chose. En tous les cas, j'espère que ça pourra vous servir. À bientôt les amis.